Bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube en ce jeudi 29 juin 2023, 10h01, heure du Québec. J'espère que vous allez bien malgré tout. Merci à ceux qui sont abonnés. Merci à ceux qui vont s'abonner. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages. Zébulon m'a envoyé un message pour me dire que tout allait bien. J'étais un peu inquiet. Tout va bien. Il a pris 3 jours de congé, petite vacances. Donc, heureux de te retrouver, Zébulon. C'est quelqu'un qui a des opinions puis qui m'envoie beaucoup d'informations concernant le conflit actuellement en cours. Hein? Tout le monde le connaît, ce conflit-là. Une distraction incroyable. C'est comme du n'importe quoi. Et Zébulon m'envoie beaucoup d'informations très pertinentes. Donc, je suis content de le retrouver. Merci à tous les autres qui m'envoient des messages. C'est vraiment très apprécié. Pendant qu'on vit une ère spectaculairement, je ne sais plus comment la décrire, où on nous a amené graduellement dans le communisme, l'hémisphère nord, on est rendu avec un régime communiste totalitaire, où il n'est plus question et il n'est plus possible de questionner les actions de nos élus, les actions de nos gouvernements, les actions de nos agences gouvernementales. C'est impossible. Tu ne peux plus remettre rien en question. Tu ne peux plus questionner la pseudo-science qui nous avance toutes sortes de théories qui, la plupart du temps, ne tiennent pas debout. Et même beaucoup de scientifiques s'arrachent les cheveux en se disant « Qu'est-ce qui se passe? » Parce que quand tu es rendu où tu ne peux plus questionner la science, il y a vraiment un problème de contrôle de la pensée et du discours et de la liberté. C'est la moindre des choses. Comment tu peux faire avancer une science si tu ne la questionnes pas? Vraiment troublant. Et on le voit, c'est répandu dans l'hémisphère nord, parce que on ne parlera pas de l'hémisphère sud, là. Il y a déjà le 3/4 des pays qui vivent déjà dans le totalitarisme depuis longtemps. Et c'est vous, ce qui est étonnant, c'est que notre élite médiatique d'une autre époque, pendant des décennies, nous démonisait avec raison les régimes totalitaires d'ailleurs, des autres pays, nous rapportait les histoires de gens qui s'opposaient, de combattants politiques qui étaient persécutés pour juste la remise en question du système ou de politiques complètement rétrogrades, complètement inacceptables, totalitaires, que ça vienne de la Chine, de l'ex-URSS ou de tout quelque autre pays, de république de bananes, où les opposants politiques étaient torturés et emprisonnés. On nous rapportait ça, puis on nous disait, mon Dieu, c'est d'une horreur incroyable. Il n'y a aucune liberté d'expression, aucune liberté de parole. 2023, l'hémisphère nord, nous autres, on est rendus exactement au même endroit, et nos médias, c'est eux qui participent maintenant à la censure, à l'oppression, puis à la démonisation de tous ceux qui questionnent puis qui s'opposent à l'idée générale du supposé consensus de la population, parce qu'on nous dit que hein, c'est ça, la démocratie. Et que si tu questionnes le gouvernement, ses actions sur quoi que ce soit, puis même dans la science, on l'a vu, hein, dans les 3 dernières années, la science en a pris pour son rhume, et surtout récemment parce qu'il y a tellement de choses qui sortent et qui sont publiées de ces mêmes gens qui nous ont imposé toutes sortes d'atrocités, puis qui nous disent, ben, on s'est trompé. Mais tu ne pouvais pas les questionner, tu ne pouvais rien mettre en question. Sous peine d'être emprisonné, avoir des amendes, et j'en passe. Questionner le gouvernement sur quelques programmes que ce soit, Tu vas être démonisé. Que tu oses voter pour un autre parti que celui contre, par exemple en France, si tu osais voter contre Macron, tu es un suprémaciste blanc, un raciste, un xénophobe, ou genre, je ne sais même plus ce qu'ils ont sorti aussi comme épithète et qualificatif. On a vu en Italie, tous ceux qui ont voté puis qui voulaient voter pour Meloni se faisaient traiter de nazis. C'est comme quand tu écoutes toute la gauche. Toute la classe qu'on appelle libérale, progressiste, qui est de la rétrogradation de la condition humaine et de l'intelligence humaine, dans le fond, par l'imposition d'une école de pensée unique, c'est hallucinant de les voir agir. Hallucinant. Donc, ceux qui voulaient voter pour Meloni,
se faisait discréditer, traité de nazi. C'est comme si, comme je vous disais, tout le monde de ce côté politique, la gauche, vont traiter tous ceux qui ne pensent pas comme eux de suprémacistes blancs, nazis. C'est comme de réduire à rien l'Holocauste et toutes les tragédies qui ont eu lieu dans l'histoire récente. C'est comme, vraiment, ces gens-là n'ont aucune, comment dire, estime et ont aucun remords sur ce qui s'est passé dans l'histoire. Tu ne peux pas traiter quelqu'un de nazi quand tu sais ce que ça représente être un nazi, puis ce que représente l'Holocauste. Voyons donc, ça n'a pas de sens. Mais ces gens-là n'ont aucune décence. Et si tu te poses à eux, malheur à toi. Ça faisait qu'on démonise à peu près 50%. On peut, sans se tromper, hein, politiquement, on peut dire qu'il y a à peu près 50-50 des gens qui sont plutôt gauchistes, puis un autre 50 qui sont plutôt rationnels, avec une tête sur les épaules, et ils sont plutôt conservateurs. Donc, ça veut dire que la presse, les médias sont contrôlés par l'élite, et l'élite, on pourrait dire, utilise la gauche pour passer son modèle et son emprise sur le monde. Parce que ça, c'est plus séducteur de vendre la gauche, c'est que le gouvernement va tout faire pour toi, on va tout te donner, alors qu'il t'enlève tout. Et il t'enlève même ta liberté. Mais ça passe mieux chez un consommateur de lui dire « Tu vas acheter ce parfum-là parce que tu vas être la plus attrayante des femmes » plutôt que de lui dire « Si tu achètes ce parfum-là, tu vas sentir la moufette. » Il n'y a personne qui l'achèterait, ce parfum-là. Même chose politiquement. On vend l'idée que, oh mon Dieu, vous allez être tellement pris en charge, on va tellement s'occuper de vous, on va tellement avoir un système d'équité, de justice. C'est tellement du n'importe quoi, parce que c'est tout le contraire qui arrive toujours. Puis tu regardes dans l'histoire récente, tous les régimes socialistes ont mené au communisme et le communisme a mené au totalitarisme. Ça, tu peux pas trouver un pays où ça s'est pas terminé comme ça. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu Karl Marx, c'était quelqu'un d'absolument détestable, quelqu'un d'horrible, qui maltraitait sa femme, qui travaillait même pas, qui se faisait vivre par tout le monde. Puis c'est lui qui a écrit ce torchon qu'on appelle le Capital. C'est assez hallucinant. Donc, les médias d'aujourd'hui, c'est eux, en hémisphère nord, qui nous appliquent et qui nous force à être ce qu'on est, en nous démonisant. C'est eux qui nous imposent le totalitarisme. C'est eux qui représentent maintenant le système, notre système en hémisphère nord, qui est devenu un système totalitaire. Tout ça mené par une clique, la même clique toujours. C'est cette petite gang qui contrôle toute la planète depuis trop longtemps, qui contrôle toutes les ressources naturelles, tous les pays, tous les gouvernements. Ils ont créé l'ONU, une autre patente à gosse communiste, l'Organisation mondiale de la santé, tous les organismes mondiaux découlant de tous ces grands richards, que ce soit les Rockefeller et d'autres, sont tous démoniaquement communistes et t'imposent leur vue. Pendant des années, t'on dit, les quatre années où Donald Trump a été président, « Oh, quel mégalomane, quel narcissique, patati... tu veux parler de narcissisme? » Klaus Schwab. Quelqu'un qui n'a pas reçu un vote de qui que ce soit. Aux dernières nouvelles, Donald Trump a été élu par le peuple. Il est allé en élection. Que ça te plaise ou non, il a gagné. Il a eu des votes. Klaus Schwab, il n'a pas eu de vote. Il n'y a personne qui a voté pour lui. Et lui, il s'impose comme étant le grand Manitou de l'univers. Tu veux parler de narcissisme? Il est toujours à l'avant-plan de son Forum économique mondial où tout le monde va. Toutes les grandes têtes de Google, de Facebook, les grandes têtes de toutes les grandes entreprises qui dominent le monde. Vanguard, BlackRock, tout le monde est là. Tous les politiciens vont s'asseoir sur ses genoux. Tous les jeunes leaders sont allés dans leur programme de les jeunes leaders globalistes et mondialistes. Justin Trudeau s'est assis sur ses genoux comme si Klaus Schwab était le Père Noël
Vladimir Poutine aussi est allé là. Ils sont tous allés là. Merkel, tous. Klaus Schwab, c'est impossible de savoir qui il est, je te l'ai dit hier. Il n'y a aucune recherche que tu vas faire qui va sortir de Google, qui va te donner quelque chose sur Klaus Schwab et son passé et sa biographie. Tout est protégé, camouflé, caché. Les seules choses qui vont sortir, c'est « Oh, il a fait ceci, il a accompli cela, il a fait... » C'est de la bullshit, là. Mais si tu fais une recherche sur un Ron DeSantis, conservateur, une Marine Le Pen, Donald Trump ou qui d'autre, qui que ce soit de la gauche, de la droite, je veux dire, Google va t'envoyer tout ce qui est négatif, qui n'est même pas vérifiable, puis tous les mensonges. Ils vont juste te démoniser ces personnes-là parce que Google, son but, c'est de décourager tous ceux qui voudraient savoir ou connaître un aspect de quelqu'un comme Ron DeSantis ou Kevin McCarthy ou Marine Le Pen ou peu importe. Toi, tu vas aller sur Google, tu vas taper le nom, puis là, ça va être juste du négatif, juste du nazi, suprémaciste, raciste, xénophobe, homophobe, transphobe, transphobique. Et ça va être juste ça qui va apparaître. Tout des mensonges. Mais on veut que celui ou celle qui fait des recherches soit complètement découragé. Ouais, moi, je ne veux pas être associé à ça. Parce que la pire des choses, c'est d'être appelé un raciste ou un xénophobe. Personne veut se faire qualifier de ça. C'est comme une plaie. Et eux, ils savent, et c'est comme ça. Et c'est pour ça qu'ils utilisent cette carte-là. La gauche utilise... Ils ne sont pas capables de débattre. D'ailleurs, il n'y en a jamais de débat avec eux autres. Tu as vu les dernières... élections de mi-mandat aux États-Unis, il n'y en a pas eu de débat. Les démocrates ne voulaient pas débattre parce que dans un débat, ils sont incapables de gagner. Toutes leurs idées sont tellement irrationnelles que un enfant d'école peut débattre contre un gauchiste avec juste un peu de rationalité. Donc, c'est pour ça que tu assistes à juste du salissage et de la démonisation. Et il y a une époque, comme je vous disais, nos médias défendaient les gens qui questionnaient, les gens qui se grattaient la tête face à des programmes ou des projets de gouvernement qui n'avaient pas d'allure, puis des opposants politiques, puis des gens qui criaient pour la liberté. Là, maintenant, c'est tout le contraire. Donc, on est rendu dans un régime communiste global. Tout ça orchestré, contrôlé par la même élite qui nous gouverne depuis trop longtemps. Possède toutes les ressources naturelles, qui imprime et contrôle le système monétaire et qui ont infiltré et contrôlent tous les gouvernements. Et naturellement, ils sont propriétaires de tous les médias. Les médias, je ne sais pas s'il y en a encore qui pensent que les médias sont des organismes de charité, mais les médias sont des organismes privés, des corporations qui font des milliards de dollars, puis sont là pour faire des milliards de dollars, puis ils sont là pour protéger le système dans lequel ils sont. C'est très simple à comprendre. Puis pendant que tout ça se passe, on a tellement, tellement de distractions qu'il n'y a plus aucune vraie question qui sont posées, juste l'insignifiance. Là, tu as eu le mois de la fierté gay, une parade, c'était pas assez, là, tu as eu un... D'ailleurs, moi, je voulais juste poser une petite question. Moi, je vais toujours être un défenseur de la communauté LGBTQ, plus. Ce qui se passe dans ton lit, dans ta vie privée, ça regarde personne. Tu es un homme, puis tu veux prétendre que tu es une femme parce que tu es fétichiste, puis tu as des fantasmes, ça ne me dérange pas. Tu fais qu'est-ce que tu veux. Mais quand tu en es rendu à appliquer ça comme un agenda politique, puis tu as les politiciens, puis tu as le monde médiatique et artistique qui vient dire « Oui, c'est une femme, et il faut le protéger en tant que... » Pardon, une femme? Non. Ça reste toujours un homme biologique. D'ailleurs, c'est assez étonnant de voir que toute l'élite qui a défendu pendant des années le droit des femmes, et avec raison, pour arriver à une égalité juridique dans la société, ont tout abandonné les femmes pour se concentrer pour un groupe tellement minoritaire qui n'existe presque pas, sauf dans la fantaisie de TikTok, pour abandonner les femmes et se concentrer sur un groupe qui vraiment a pris toute la place.
Et on permet maintenant même aux hommes qui prétendent être des femmes de compétitionner avec les femmes, aller voler les médailles des femmes. Ça, c'est de pousser sa chance très, très loin. Et tu as des femmes qui sont en pleurs et qui sont plus capables de prendre ça. Il y a eu le cas de Leah Thomas. Tout le monde l'a connu. Je fais juste une petite parenthèse. Comme je vous l'ai dit, moi, je vais toujours défendre la communauté LGBTQ+, dans son droit de vivre sa vie comme elle le veut. Moi, tu veux être habillé en femme toute ta vie. Il y a encore du monde au centre-ville, de Paris, de New York, de Montréal, en 2023, qui se promène encore avec des bottes de cow-boy puis des chapeaux de cow-boy. Donc, tu peux t'habiller en femme si ça te tente, là. Mais tu ne viendras pas prétendre que tu es une femme, parce que tu n'es pas une femme. Tu ne seras jamais une femme. Et tu ne sauras jamais c'est quoi être une femme. Mais ton fantasme, tu peux le vivre. Mais de là à permettre à quelqu'un qui mesure 6 pieds 4, pèse 220 livres, 24 ans, ou 22 ans quand il est allé compétitionner avec les filles, comme on le fait dans un collège, puis dans l'organisme de natation NCAA aux États-Unis, puis de voler toutes les médailles des femmes, de ces femmes qui se sont entraînées toute leur vie pour arriver à un accomplissement, puis qu'il y a un homme qui vient leur voler ça, un homme encore, puis un homme blanc. C'est toujours des hommes blancs en plus, là. Hein, il y a eu la controverse avec Dylan Mulvaney puis la Bud Light. On a vu ce que ça a donné pour Bud Light. Ils ont perdu des milliards et des milliards de dollars. On va aller écouter une des jeunes nageuses qui a compétitionné contre Leah Thomas. Elle a témoigné, je pense que c'est la semaine dernière, au Sénat américain, Riley Gaines. Ça, c'est une ancienne nageuse de la NCAA. Parce qu'il y a de plus en plus de femmes aux États-Unis qui commencent à se lever contre ça, là. Ils disent, non, tu peux vivre comme tu veux, mais tu peux pas venir compétitionner avec nous. Dans le sport, parce qu'il y a une différence physique et biologique entre l'homme et la femme, tu n'as pas besoin d'aller très loin pour comprendre ça. Tu n'as pas besoin d'être un biologiste. Il y a toujours eu deux catégories, parce que c'est l'évidence même, là. Il y a toujours eu le hockey féminin, le hockey masculin, le soccer féminin, le soccer masculin, puis toutes les autres compétitions aux Olympiques, jusqu'à ce qu'on arrive à aujourd'hui. Il y a toujours eu une catégorie d'hommes et la catégorie des femmes, parce que ce serait une injustice. Imagine Mike Tyson dans son prime, quand il était au sommet de sa forme, s'il était allé combattre contre des femmes. Ben voyons donc, ça n'aurait pas eu d'allure. Même chose pour Wayne Gretzky, même chose pour Mario Lemieux, Guy Lafleur, tous les grands joueurs de hockey. Imagine que tu étais allé jouer contre... Tu fais une équipe des meilleurs, les plus grandes étoiles masculines, tu les fais compétitionner contre même les plus fortes. Du côté des femmes, ce serait d'une injustice. La partie se terminerait 2000 à peut-être zéro. Ça n'a pas de sens. Mais aux États-Unis, tu as des gens tellement fêlés dans le système scolaire, tellement fêlés du côté de la gauche, qu'on a autorisé des choses semblables. Donc, les femmes commencent à se rassembler, à s'unir, et à dire, voyons donc, ça n'a pas de sens. Là, tu ne peux pas avoir un homme blanc qui prétend... Parce qu'il a juste envie d'être bien, il prétend être une femme, puis on va lui... Moi, tu peux prétendre être une femme, comme je l'ai dit, je m'en fous. Mais il faut qu'il y ait des limites. Puis il est allé compétitionner. Donc, t'as Riley Gaines qui est allé témoigner, parce que c'est devenu gros, là, cette histoire-là. Parce que les femmes se lèvent, et avec raison. Puis vous allez comprendre qu'est-ce qui l'a surtout choqué. Elle explique, on va aller l'écouter. Elle dit, OK, on s'est fait voler nos médailles, il a tout gagné. C'est sûr, le gars, il mesure 6 pieds 4, là, tu sais. Mais elle dit, le pire, c'était pas ça. Le pire, c'est qu'on a, sans notre autorisation, sans nous l'avoir demandé, ce gars-là est venu changer avec nous autres dans le vestiaire. Elle dit, c'est un gars de 6 pieds 4 qui a un appareil génital assez imposant d'homme, là. Puis il est venu, on nous l'a imposé. Nous autres, on est obligés de se changer des femmes, se mettre nus, puis lui, il s'est mis tout nu devant nous autres. Voyons donc. Hey, ça, dans une époque, je ne sais pas, pas si lointaine, un gars qui aurait fait ça... Il aurait été arrêté subito, presto, par la police pour indécent. Rentre dans un vestiaire de femme, toi. Qu'est-ce qui va arriver? Rentre d'une toilette de femme en tant qu'homme, même si tu prétends, tu aurais prétendu être le pape. Il y aurait eu des actions. Même chose dans les parades. Moi, ça me ferait les parades de la fierté gay. Moi, je n'ai rien contre ça.
Moi, je suis ouvert, puis je te l'ai dit, je protégerai toujours le droit de vivre ta vie comme tu veux. Tu peux pas avoir un gouvernement qui vient se mettre le nez, puis je suis même, au niveau de l'avortement, j'ai le même principe. Moi, je suis un homme, j'ai rien à voir avec la décision d'une femme, si elle veut se faire avorter ou non, ça me regarde pas, puis ça regarde pas le gouvernement. OK? Même chose pour l'homosexualité, le lesbianisme ou n'importe quoi d'autre. Donc, les parades, prends ça. Les parades de la fierté gay à travers le monde, où il y en a dans l'hémisphère nord, c'est toujours des parades festives, les gars sont presque tout nus, t'en as qui sont tout nus, ils ont des J-strings, puis c'est très fétichiste, tout est relié autour du plaisir et du sexe. Moi, j'ai rien contre ça. Mais je ne sais pas si, moi, je me promenais dans la rue, juste comme ça. Parce que là, toutes ces parades-là, t'as des foules de personnes qui sont là, regardez ça, là, comme des spectateurs, puis ils sont tous ébahis, puis ils applaudissent. Je sais pas qu'est-ce qu'ils applaudissent, là. Mais t'as des enfants aussi qui sont là. T'as du monde, des parents qui amènent des enfants à la parade de la fierté gay. Moi, OK, tu fais ce que tu veux dans la vie, là. Mais moi, je veux savoir si je pourrais me promener au centre-ville de Montréal, juste comme ça, avec un G-string. Moi, je veux savoir qu'est-ce qui arriverait si demain... Je prends la décision, je prends ma voiture, je m'en vais au centre-ville, je me stationne quelque part, je me parque, je sors de la bagnole, je me promène sur Sainte-Catherine avec un corset de cuir, disons, puis un G-string, puis des gogounes. Puis moi, je marche comme ça sur Sainte-Catherine. Moi, je veux savoir combien de temps je vais marcher avant que la police arrive ou avant qu'un hôpital psychiatrique vienne me chercher. Moi, je veux juste savoir comment ça se fait qu'il y a deux poids, deux mesures comme ça. Donc, on va aller écouter Riley Gaines, OK? Puis à une époque, tu te serais fait arrêter pour indécence. Moi, je me demande si on était un groupe d'hétéros, puis on se faisait une parade de la fierté hétéro, puis on se promenait avec des femmes tout nues, des hommes tout nus comme ça. Je sais pas si ça passerait. Anyways, on va aller écouter Riley Gaines, qui était... Ça, c'est le... je pense que c'est la semaine dernière, OK? Donc, on va aller l'écouter. Elle témoignait devant le Sénat, man. Pas n'importe qui, là. C'est rendu loin aux États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, comme je te l'ai dit, c'est encore un des seuls endroits où, je peux te dire une chose, il reste un peu de rationalité, beaucoup dans la population, puis un petit peu au niveau des élus aussi. Mais en France, si quelqu'un osait s'élever contre le mouvement LGBTQ comme celui-là, dans le sens où tu permets, tout le monde serait en mode... d'effondrement, parce que en France, comme au Québec, puis comme dans tout l'hémisphère nord, on a tout été programmé, on a tout été manipulé. Puis tout passe parce qu'on est tous devenus des citoyens obéissants et conformistes. Puis on a tout peur d'être étiqueté sexiste, homophobe, transphobique, ou peu importe. Si tu questionnes quelque chose comme ça, si tu fais juste le questionner, puis remettre ça en question, dire ça a-tu de l'allure ou pas, tu vas être attaqué comme c'est pas possible. Puis les gens, je comprends, ils ont peur. Mais aux États-Unis, tu as encore énormément de courage au niveau de la population, la population américaine, que tu penses quoi que ce soit des Américains, comme moi, le gouvernement américain, là, c'est l'entité la plus démoniaque qu'il n'y a pas, mais le monde aux États-Unis, ils sont vraiment très, très courageux. Les gens sont très courageux. On va aller l'écouter. Let me be clear about this. We were not forewarned. OK, on va aller l'écouter un petit peu plus du début là. To give up our awards and our titles and our opportunities and our titles and our opportunities. In addition to being forced to give up our awards and our titles and our opportunities. OK, on s'est fait enlever nos récompenses, nos trophées, nos médailles. Ça c'est une chose, dit-elle. The NCAA forced me and my female swimmers to swim to share a locker room with. Donc la NCAA nous a forcé, moi et les autres nageuses du club, mes consœurs, à partager un vestiaire. Thomas. Avec Lia Thomas. 22-year-old male equipped with. Un homme de 6 pieds 4, de 20 ans, équipé, dit-elle, on va l'écouter, d'un appareil génital, on va dire une chose. Il ne devait pas être petit là. On va aller l'écouter. For a 22-year-old male equipped with and exposing male genitalia. Comment elle le dit, c'est un peu politiquement correct, là. An exposing male genitalia. Donc, un
un membre masculin. Let me be clear about this. Laissez-moi être clair là-dessus. Puis là, elle parle au sénateur. We were not forewarned we would be sharing a locker room. On s'est pas fait informer qu'on partagerait le vestiaire. Qu'ils viennent nager avec nous autres, puis qu'ils nous volent toutes nos médailles. OK, on pleure, puis on est triste, puis on a travaillé pour rien. Puis vous autres, vous nous défendez plus les femmes. Mais là, vous nous l'avez amené dans le vestiaire. Il me semble qu'il n'aurait pas allé changer dans un autre vestiaire. Là. Le gars, c'est un gars. Excuse-moi le langage, il y a une graine grosse comme ça, puis une paire de gosses. Il n'y a personne qui nous a demandé notre consentement, puis on ne l'aurait pas donné notre consentement. Consent. And I'll set the scene. A swimming locker room is not a place of modesty. You're undressing, you're fully exposed. Il dit, c'est pas une place là, pour, si t'es modeste, on se déshabille, on est complètement nu. Puis on a été forcé d'enlever nos maillots de bain devant un homme qui faisait la même chose. Il enlevait son maillot de bain aussi. On est dans une scène complètement surréaliste. Là, elle a dit, ce qu'elle veut dire, dans le fond, c'est que, OK, là, vous nous l'avez imposé dans la piscine. Il a volé toutes nos médailles, qu'est-ce que tu veux? On a travaillé pour rien pendant des années. On se fait voler nos médailles par un gars qui n'était pas capable de gagner contre des gars. Puis là, il vient battre toutes les femmes. Je ne sais pas s'il est fier de lui, mais en tout cas. Mais ça, c'est une chose. Si on l'a accepté, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Même si c'est inacceptable. Mais en plus, vous nous l'avez amené dans le vestiaire. Wow! Mais il semble que ce serait tellement simple pour éviter toute cette controverse-là. Regarde. Faites, dans les sports, il y a, comme je te l'ai dit, il y a toujours eu deux catégories, parce que sinon, ce serait une injustice. Puis toute la gauche s'est battue pour que justement les femmes puissent compétitionner contre les femmes et être récompensées comme les hommes dans les sports. OK? On s'est battu pour ça pendant des années, puis là, on vient tout abandonner ça pour une classe de gens qui sont représentés sur TikTok par de la fantaisie. Moi, que tu veuilles vivre ta vie comme tu veux, je vais toujours, toujours défendre ça. C'est pas le rôle du gouvernement, puis c'est pas son affaire non plus d'aller mettre son nez dans ta vie privée. Puis même au niveau de l'avortement, c'est une question qui ne devrait même pas être débattue. Ça regarde personne d'autre. Ça regarde la femme et sa conscience. Nobody else. Pourquoi il n'y a pas une catégorie homme, une catégorie femme, puis une catégorie transgenre qui compétitionnent entre eux, puis qui aillent se changer entre eux autres dans leur vestiaire s'ils veulent? Même chose pour les toilettes publiques. Comment on va autoriser un gars comme Leah Thomas d'aller aux toilettes dans la même toilette que les femmes? Ça n'a comme pas de sens. Fais une toilette pour hommes. Ils ne veulent pas aller dans les toilettes pour hommes. Fais une toilette pour femmes. Ils ne pourront pas aller dans les toilettes pour femmes parce que ce n'est pas des femmes. Fais une toilette transgenre. Mais ça, ce serait si simple. Puis tout le monde accepterait ça. Puis il n'y en aurait pas de débat. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on veut qu'il y ait de la discorde. On veut qu'il y ait des chicane. On veut qu'il y ait de la distraction. Puis on vient dans ta face faire ça pour te dire, parce qu'il n'y en a pas de controverse. Nous autres, on sent, moi je m'en fous qu'il y ait un gars qui s'habille en femme puis qui vive en femme. Ça ne me regarde pas. Mais on veut qu'il y ait une controverse. On pousse, comme on dit, on met le poteau de plus en plus loin parce qu'on sait qu'il n'y en a pas de controverse, on veut qu'il y ait une controverse. Puis on veut choquer le monde, comme on le fait en ce moment, comme on le fait avec les parades qu'il y a eu d'un mois de la fierté gay, comme on l'a fait avec Joe Biden qui a fait une fête de la communauté LGBTQ transgenre à la Maison-Blanche la semaine dernière, je pense, ou il y a 10 jours. Parce qu'il n'y en a pas de controverse. On vit avec la communauté LGBTQ, puis on s'en fout, puis on a des amis qui font partie de la communauté LGBTQ. Puis eux autres aussi sont écœurés de cette bullshit-là. Donc, il n'y en a pas de controverse. Pourquoi on fait ça au niveau des médias, puis des médias sociaux, puis de l'élite? C'est qu'on veut que toi, tu sois choqué pour pouvoir dire, parce qu'il n'y en a aucune controverse, tout le monde, on vit tout en harmonie, puis on accepte tout. Là, on le pousse tellement loin, c'est qu'il y a quelqu'un qui va arriver, qui va dire, « Wow, ça n'a pas d'allure. » Comme ça, eux autres, ils vont pouvoir dire, « Ha! T'as vu les bigots? T'as vu les hypocrites? T'as vu les transphobiques? » C'est ça. Non, mais il n'y en avait pas. C'est juste qu'on veut provoquer. Et c'est ça leur rôle. Et ils réussissent très, 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 très bien.
T'as même le Human Watch, il y a une semaine, qui a dit qui a lancé une alerte pour la communauté LGBTQ. Voyons donc. As-tu vu du monde se faire arrêter, emprisonner, se faire violenter, se faire exécuter? Voyons donc. C'est du non-sens. Pendant ce temps-là, je voulais vous parler de quelque chose. Et c'est toute la distraction. C'est ça, c'est au niveau de la distraction. Il y a tellement de distractions pendant ce temps-là. Les vraies questions ne sont pas posées. Hein? Les vraies questions. Il n'y a personne. Ils sont là à t'amuser avec toutes sortes d'insignifiance. Il n'y a personne qui vient des médias. Puis ça devrait être sur les lèvres de tout le monde depuis des milliers d'années, mais surtout depuis au moins 20 ans. « Hey, vous nous parlez d'équité, de ceci, de cela, d'inclusion. » Mets ça de côté, là. Moi, je veux savoir comment ça se fait que c'est encore le même groupe qui contrôle toutes les richesses, qui garde les profits des richesses naturelles pour lui ou elle ou pour ce groupe-là. Pourquoi c'est eux autres qui impriment l'argent? Pourquoi c'est eux autres qui nous endettent? Pourquoi ça et uniquement ça? Pourquoi Klaus Schwab, qui n'a pas reçu un vote de qui que ce soit, va venir nous dire comment vivre notre vie pendant qu'eux autres vont continuer à se promener en bateau, en Mercedes, en Maserati, en jet privé, dans leur grande maison? Toi, ils vont vouloir que tu vives dans une petite boîte, tu manges des insectes, puis que tu te promènes à pied. Moi, je veux savoir pourquoi il n'y a personne qui remet ça en question de l'élite puis de nos médias qui sont là. Et disent, oh, on est essentiel, les médias, à la liberté, à la démocratie. Wow, c'est la chose dont on n'a vraiment pas besoin, des médias comme ceux-là. Je vous reviens. Je ne savais plus de quoi je voulais parler, mais en tout cas, j'en ai dit un petit peu, là. Mais c'est pas ça dont je voulais vous parler, il y avait quelque chose d'autre. Mais je vais le retrouver. Puis n'oubliez pas, on est rendu dans un régime communiste, totalitariste, mur à mur. Puis la 5G, en terminant, la 5G, là, c'est un Internet de merde. C'est pas rapide. J'ai jamais vu quelque chose d'aussi lent que ça. La deuxième génération était plus rapide. On vous a dit, oh, ça va être extraordinaire la 5G. Parce qu'eux autres, ils aiment ça, aveugler le monde, puis prétendre des choses. OK? Comme la 5G, vous allez trouver ça extraordinaire, ça télécharge rapidement. J'ai jamais rien vu d'aussi lent que la 5G. La 5G n'est pas là pour nous autres. La 5G était là pour le système de contrôle mondial des globalistes, mondialistes, communistes, totalitaires, pour la biométrie, parce que tu as besoin d'une, ça doit être d'une puissance incroyable, parce que c'est pas vite. C'est vraiment pas vite. C'est l'Internet le plus lent que j'ai jamais vu. OK? Tu veux télécharger quelque chose sur ton téléphone ou à la maison, c'est tabarnak, c'est d'une lenteur, là. C'est pourri! Mais tu avais besoin de cette puissance-là pour le système de contrôle mondial. Et le rêve de Klaus Schwab, c'est qu'on soit tous connectés. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que Google et Klaus Schwab et le Forum économique mondial travaillent ensemble pour établir un système de micropuces. On va peut-être micropucer. Ils vont tous savoir combien tu dépenses, combien de kilomètres tu as fait. Ils vont te punir. Tu as dépensé trop de carbone, puis tu as trop, blablabla, tu as mangé trop de viande. Puis la 5G a été conçue uniquement pour ça. Oublie la vitesse, c'est d'une pourriture. Jamais vu un Internet aussi merdique que ça. Là, c'est vrai, j'ai fini. On se retrouve de l'autre côté.